Oh yeah. Oh, elle est cassée, la belle musique. Loup-garou. L'histoire que je vais vous raconter, c'est loin d'être un conte de fées. Ah, même si ça parle de loup-garou, du diable, puis pire encore. Ça m'est arrivé, vrai comme je vous parle, au mois de décembre 58, près du village maudit de Valoulou. Valoulou. Sur le bord du Saguenay. Hi-ha! Cataclope, 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 cataclope. Ah, stress. Eh bien, sans froid, un conte de loup-garou, tome 1, est un jeu qui nous a été proposé il y a plus d'un an maintenant par un studio canadien, québécois probablement, avec la participation notamment au scénario de Brian Perrault. Alors Brian Perrault, qui c'est ? C'est un auteur canadien, c'est un écrivain, c'est un professeur aussi qui a enseigné plus de 10 ans dans des écoles, et il s'est associé à ce petit studio pour écrire donc le scénario de ce jeu, qui est un mélange entre, on va dire, un tower defense. Voilà, grosso modo, il s'agit d'un tower defense, mais qui fait preuve d'une grande originalité. Déjà parce qu'il a un scénario, pour un tower defense c'est déjà pas mal, hein, c'est loin d'être toujours le cas. Et ensuite parce que son gameplay est relativement intéressant, se complique très rapidement, tout en étant simple au début. Il offre tout de suite une panoplie de difficultés assez vaste et très intéressante. Et puis tout simplement, il a une ambiance du tonnerre. Alors, je vais juste me contenter de charger une partie et nous en reviendrons un peu plus loin. Peut-être un mot sur l'histoire pour ne pas vous remettre toute la cinématique d'intro. En gros, nous avons cette jeune demoiselle qui arrive chez son frère, que voici, accompagnée de son autre frère, que voilà, frère que nous incarnons pendant le jeu. En fait, en début de partie, lors de votre première partie, vous allez devoir choisir entre incarner ce frère-ci ou ce frère-là. Et ce faisant, vous changez le mode de difficulté. Lui, c'est difficile, et lui, c'est normal. Donc je vous conseille de commencer, si un jour vous lancez dans l'aventure, je vous invite à commencer avec le personnage de droite, qui est donc plus simple à jouer, et ce qui vous laisse quand même un challenge relativement intéressant pour ce jeu. Donc vous débarquez à deux chez votre frère, et visiblement, il s'est passé un petit souci. Hormis que le médecin s'est fait bouffetiffer les fesses pendant la nuit, votre sœur explique qu'elle était en train de nettoyer la sacristie de l'église de Valoulou
quand le curé a malencontreusement, visiblement, décidé de lui sauter dessus. Elle a tenté de le repousser avec un candélabre, mais malheureusement, la chandelle au bout du candélabre s'est détachée, a foutu le feu à l'église qui est partie en fumée, et elle a été évidemment accusée de sacrilège, non pas par le curé qui a fait le dos rond, mais par les habitants pieux du village qui ont décidé de la découper en rondelles. Et ce qui explique qu'elle a été défendue par son grand frère et que tous deux débarquent chez le troisième membre de la fratrie pour s'éloigner du village. Voilà tout ce que l'on sait avant de commencer le jeu. Alors ensuite, le jeu se fait avec, comme je l'ai dit, suit une histoire assez... entre guillemets, assez développé au niveau du scénario. Disons qu'il y a un scénario pas banal pour un tower defense, et vous suivez l'avancée du scénario et donc de la partie jusqu'au soir fatidique du 24 décembre de l'an 1858. Vous voyez que là, je suis, après avoir réinstallé le jeu, tout au début du scénario et du jeu lui-même. Hop, chaque temps de chargement s'accompagne d'astuces, ça c'est plutôt bon, avec toujours appréciable une non-disparition automatique de l'écran de chargement, ce qui vous permet, si vous n'avez pas eu l'occasion de tout lire, de finir à votre aise. Voilà. Vous voyez que ici on décrit un membre du bestiaire du jeu, à savoir le grand loup. On explique un petit peu qui quoi, mais surtout les pièges qui le concernent particulièrement. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, comme dans n'importe quel tower defense, vous allez être confronté plus particulièrement à des monstres, à des ennemis de plus en plus puissants, mais vous allez aussi avoir de plus en plus de pièges et d'objets différents dans votre inventaire pour gérer la situation. Et toute la difficulté du gameplay va venir de deux choses. Premièrement, la différence entre les différents ennemis qui ne sont pas sensibles au même piège, sachant cependant que des ennemis peuvent déclencher un piège auquel ils ne sont pas sensibles, ce qui leur rend inutile pour le moment où le bon monstre adéquat va arriver dessus, etc. Mais aussi et surtout parce que les ennemis très rapidement dans le jeu vont avoir plusieurs objectifs et vous allez être seul pour défendre tous les objectifs de la carte. C'est quelque chose qui en général arrive après un certain temps dans les tower defense, mais ici ça arrive relativement vite. Exil et retrouvailles. Ben, Joséphine, ma sœurette, ça parle au yard. Quel bon vent t'amène dans le fin fond du bois pour voir ton ermite de frère? J'ai peur qu'il s'agisse plutôt d'une tempête. Monsieur le curé a perdu la tête puis m'a sauté dessus comme un démon pendant que j'époussetais la sacristie. J'ai tenté de le repousser d'un coup de candélabre, mais la chandelle est tombée par terre puis l'église de Val-au-Loup a pris feu. Depuis lors, toute la paroisse me dit coupable. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Entre, reste pas planté là sur le cadre de la porte. Ben, c'est que, tu vois, Jacques, je suis pas seul. Je suis pas là de gaieté de cœur, le frère. T'en fais pas. Voilà, je me permets de zapper la cinématique parce qu'on va pas tout regarder. On comprend donc que les deux frères ne sont pas particulièrement friands de leur compagnie réciproque. Et voici comment commence le jeu. Au début, c'est très simple. Vous avez juste une hache et un fusil, et très rapidement... on va avoir accès à d'autres choses. Ben, Jériboire, les chevaux sont morts. Et ton carcajou ressemble pas mal plus à un loup, mon petit Jack. Sa meute doit être d'un parage. Et voilà, hop là. Alors, est-ce qu'il va parler, Brian Perrault?
Non, il parle pas encore. Donc, une hache, une simple hache avec laquelle on fait des attaques simples, avec laquelle on peut faire des attaques en combo en cliquant plusieurs fois. Un clic droit après un certain temps pour déclencher une attaque spéciale. Et on a également un fusil que je ne peux pas utiliser pour l'instant parce que cette première partie, qui est le tutoriel en réalité, ne me le permet pas encore. Mais si je vous montre ce tutoriel avant de le couper et d'avancer dans le jeu, c'est parce que vous allez voir que Brian Perrot prend la parole pour expliquer chaque nouveau point de gameplay. Et je trouve ça plutôt sympathique. Ça met tout de suite dans l'ambiance de conte qui se déroule devant nos yeux. Le pont vers le village qui brûle. Je crois que je vais rester pris avec Jack plus longtemps que prévu. Formidable doublage, évidemment, hein, du cru. Et voilà un tutoriel. Bonjour, ici Brian Perrot. Laissez-moi le plaisir de vous guider dans l'univers de Sang-Froid. Vos points de vie sont représentés par le cœur rouge au bas de l'écran et vos points d'endurance sont représentés par la barre verte. Votre endurance se vide à chacun des coups que vous donnez. Si vous n'avez plus d'endurance, vos coups sont ralentis. Chaque fois que vous blessez un ennemi, vous accumulez de la rage. Le feu dans l'interface et sur votre hache vous indique que votre rage est chargée. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour relâcher la rage accumulée. Pour éviter les attaques des ennemis, vous pouvez effectuer une roulade avec la barre d'espacement. Vous voyez, comme ça, à chaque nouveau point du jeu, on va avoir droit à un mini tutoriel sur écran. Hop là, raté. Fantastique. Je récupère mon endurance. Et voilà. Le doublage est génialissime. Alors, le fusil. Le fusil. Bon, je vais passer. On va pas tous les faire. Et voilà. Alors, on va faire une petite pause ici, si vous le permettez. Et voilà, je me suis permis de finir le tutoriel qui ne présente pas grand-chose de plus intéressant, à part certains points de gameplay. Mais surtout, je vois les bêtes. C'est le diable qui les envoie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Elle s'est mise à trembler comme une folle, à pousser un cri terrible, puis à tomber par terre. Je t'avais demandé de veiller sur elle, Baptiste. J'ai rien pu faire. Faut aller chercher le docteur de la montagne. Je sais pas comment c'est arrivé, mais le pont qui mène à Valoulou a brûlé. Va falloir attendre demain matin. Alors, un point intéressant de gameplay à tenir en compte, hein. Si vous videz complètement votre jauge endurance, la récupérer sera plus long que si vous étiez reposé avant que la jauge soit vide. Tâchez donc de toujours garder un peu d'endurance dans votre jauge. Et ça, par expérience, quand vous êtes au milieu d'une meute de loups et que vous donnez des coups de hache furieux à gauche et à droite, vient un moment où vous perdez de vue la petite barre verte qui est en dessous de vos pieds. Et là, c'est le drame, vous videz votre barre. Vous retrouvez accroupi en train de essayer de récupérer votre souffle et votre barre remonte beaucoup plus lentement, vous vous faites attaquer et voilà, il y a un cercle vicieux qui s'installe, donc il faut faire attention à ça. Alors, après le grand loup, voici le loup-garou
qui est décrit de la façon suivante. Lorsque l'âme d'un humain est corrompue par le diable, il peut arriver qu'elle s'échappe de son corps à la nuit tombée pour aller courir le loup-garou. L'âme repère ensuite un loup ou un chien pour le posséder. Dès lors, celui-ci grossit monstrueusement et acquiert des traits difformes ainsi qu'une force décuplée. Retenant une partie de son intelligence humaine, le loup-garou est un prédateur rusé et impitoyable, dirigeant souvent de grandes meutes de loups normaux et grands loups, on imagine. Alors, ils sont très résistants contre toutes les armes personnelles, sauf celles qui sont bénites. Donc là, on comprend déjà que les balles normales de fusil seront moins efficaces, que la hache de base qu'on a sera moins efficace. Il y a des pièges auxquels il est sensible particulièrement. Et voyons la suite. Chapitre 2, déjà, désirs et regrets. Mon Dieu, pardonnez-moi. J'ai été dominé par le désir. Ai-je fait ? Ai-je fait ? Vous n'êtes qu'un homme, Elzéar. Ouh, le diable ! Qui êtes-vous ? Mais vous venez tout juste de m'inviter. Quand vous avez tenté d'agresser votre servante, Joséphine, après qu'elle eut refusé vos avances, j'ai pensé que nous avions des affinités. Mais quand vous avez laissé le feu se répandre dans votre église, après que Joséphine vous ait asséné le coup de candélabre, quand vous l'avez accusée devant tous les villageois du crime que vous aviez en fait commis, alors là, j'ai su que nous allions faire de grandes choses ensemble. Vous voyez, c'est pas commun pour un tower defense. D'ailleurs, m'amène à vous faire une offre irrésistible concernant votre jolie et inaccessible servante. Alors, l'écran stratégique, un écran que vous allez avoir très souvent dans le jeu, qui se décompose en réalité en deux phases différentes, les phases de jour, les phases de planification, et les phases de nuit, les phases d'action. Pendant le jour, vous savez, par un moyen qu'on ne connaît pas, un peu surnaturel, vous allez savoir quels sont les ennemis qui vont vous attaquer la nuit suivante. Vous allez savoir quel type d'ennemis, vous allez savoir d'où ils vont partir, et surtout vous allez savoir quel est leur objectif, puisque très rapidement vous allez avoir plusieurs objectifs à défendre, comme je le disais dans le préambule de cette vidéo. Vous allez donc devoir planifier la protection de l'environnement, c'est l'aspect Tower Defense du titre, en plaçant différents pièges auxquels vous aurez accès au fur et à mesure du jeu, des pièges de plus en plus puissants que vous allez devoir placer sur cet écran stratégique. Et une fois tout planifié comme vous voulez, il y aura éventuellement une phase intermédiaire qui vous permet de visiter le village de Valoulou pour faire du shopping, pour acheter de nouvelles armes, etc. Et puis vient la phase d'action proprement dite, où les vagues d'ennemis vont se mettre en route, vont éventuellement tomber dans vos pièges si vous avez bien planifié tout cela, et vous serez vous-même libre de vos mouvements sur la carte pour interagir avec certains pièges qui doivent être déclenchés, qui ne sont pas déclenchés automatiquement ou par l'ennemi. Il faut parfois les mettre en route vous-même. Vous avez également votre hache, vous avez également votre fusil et vos boissons alcoolisées pour vous remonter le moral et vous donner de la pêche. Vous avez votre cri qui vous permet d'intimider les ennemis également pour qu'ils vous attaquent moins rapidement, et histoire de reprendre votre souffle, de charger votre fusil, etc. Bref, une phase d'action relativement riche. Je vois les bêtes veulent me ramener à leur maître et attaqueront cette nuit. Je sens même la présence d'un loup-garou. Ah ben c'est gay tout ça. Les présages. Les cartes de présage représentent les visions de Joséphine et vous aident à préparer votre défense pour la nuit à venir. Cette section représente le type d'ennemi qui va vous attaquer. En laissant votre curseur au-dessus d'une carte, vous pouvez avoir plus d'informations sur le type d'ennemi. Cette section représente le nombre d'ennemis qui surgiront à cet endroit. L'ordre dans lequel vos ennemis vont attaquer est indiqué par leur numéro de vague. Durant la nuit, une vague est lancée seulement lorsque tous les ennemis de la vague précédente ont été anéantis.
Vous pouvez choisir les vagues qui sont affichées en utilisant les filtres situés à droite de l'écran. Finalement, cette dernière section représente le bâtiment qui se fera attaquer. Dans ce cas-ci, il s'agit de la maison. Pour connaître le chemin qui sera emprunté par les ennemis d'une même carte, il suffit de cliquer sur celle-ci. Utilisez les cartes de présage pour planifier votre stratégie. Voilà, alors, Tijos va parler. Maintenant que je sais quel sentier les bêtes vont emprunter, je vais poser des pièges à loups pour m'aider cette nuit. Voilà, comme je le disais, on a des présages, hein, une méthode un peu surnaturelle qui permet d'apprendre comment et qui et quoi va vous attaquer. Et puis, c'est à vous de vous démerder pour faire votre popote. Alors, vous voyez qu'ici, on a le premier piège disponible, le simple piège à loup. Qui demande un certain temps pour être posé, hein. Vous avez la journée dure un certain temps, donc vous ne pouvez pas poser autant de pièges que vous voulez, et le temps que vous mettez pour poser des pièges est représenté par des points d'action, c'est la jauge verte que vous avez ici en bas à droite. Vous voyez que pour poser un piège simple, eh bien, il faut dépenser non seulement 10 centimes, mais il faut, alors que vous n'avez que 1,20$, enfin quoique 1,20$ en 1858, ça avait bien sûr plus de valeur que maintenant, mais il faut aussi dépenser 20 points d'action. Alors on apprend que ce piège à loup tue instantanément les grands loups et les grands vieux loups qu'on n'a pas encore vus, et qu'ils infligent 3 points de dégâts à toutes les créatures, autrement dit qu'ils les blessent mais ne les tuent pas. Les feux follets ne sont pas sensibles à ce type de piège, ils passeront dessus sans les déclencher, et ils sont déclenchés automatiquement par les bêtes à proximité. Donc on les conseille de les utiliser de préférence dans des sentiers étroits où on est sûr que l'ennemi va passer dessus forcément. Voilà. Ici le jeu, en tant que tutoriel, m'impose le placement du piège, il est évident que par après, c'est vous qui choisissez sur l'entièreté de la carte où vous posez vos pièges et vous assumez évidemment après les choix que vous avez faits. Voilà. On va en mettre un deuxième. Vous voyez que mon argent en bas à droite diminue ainsi que ma jauge de temps. Voilà. Le piège à loup est maintenant disponible. Voulez-vous voir le tutoriel d'utilisation du piège? Allez, je vous montre encore un tutoriel, histoire d'écouter Brian Perrault. Vous pouvez vous déplacer sur vos pièges à loup sans crainte de les activer. C'est bon à savoir. Lorsqu'un ennemi passe sur un piège à loup, celui-ci s'active automatiquement. Voilà. Je vais également essayer de leurrer d'autres bêtes sous des filets suspendus. Voilà, second type de piège qui nous est proposé. Vous voyez, 30 points d'action. Par contre, c'est gratuit. Ça inflige 28 points de dégâts divisés par le nombre d'ennemis présents sous le filet. Donc, plus vous avez d'ennemis en dessous, moins ça fait de dégâts, mais vous touchez plus de monde. Personne n'est immunisé. Il doit être suspendu à des arbres à proximité, donc vous ne pouvez pas le mettre dans une clairière ou un espace dégagé quelconque. Et il faut le déclencher, voilà, c'est ce que j'expliquais, en tirant dessus au fusil, ce n'est pas automatique. Et voilà que ça joue à Pinball FX2, ça c'est la faute à Etrigan, je le savais. C'est un drame. Conseil donc, utilisez cri à pas ou vent pour attirer les bêtes sous le filet. Assurez-vous de recharger votre fusil au préalable. Alors, vous voyez qu'on parle de cri, ça vous savez ce que c'est. Il suffit de crier pour intimider ou attirer des animaux. Par contre, à pas et vent, ce sont des points de gameplay qui vont arriver plus tard dans le jeu. Vous allez notamment avoir une odeur de bons bûcherons, hein, une odeur corporelle qui est portée par les vents et qui va attirer forcément les ennemis qui vous sentent grâce à leur odorat, ce qui risque malheureusement de leur faire infléchir leur course et de modifier leur trajet tout simplement, et donc de les faire éviter des pièges que vous auriez au préalable passé, donc il va falloir gérer vraiment de plus en plus de points de gameplay en même temps, et c'est ça qui rend le jeu si intéressant et si difficile aussi par moment, il faut bien l'avouer. Voilà, encore le jeu m'impose tout. On va voir le tutoriel. Le filet.
un indicateur vous indique combien d'ennemis se trouvent sous le filet. Pour faire tomber le filet sur vos ennemis, il suffit de le viser et de tirer une balle. Bim! Bon, j'ai enfin fini de placer mes pièges, reste plus qu'à attendre la nuit. Alors, on va pas rester les bras croisés. Ah, ici on me laisse pas le choix. D'habitude, j'ai... ou alors c'est plus tard, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai désinstallé le jeu. En fait, après un certain temps, vous avez l'occasion d'utiliser les points d'action qui restent pour couper du bois. Vous êtes quand même un bûcheron à la base. Ce qui vous permet de gagner quelques monnaies sonnantes et trébuchantes, en plus des pots des ennemis que vous allez tuer et que vous allez pouvoir revendre et ainsi faire augmenter légèrement votre pactole. Pactole qui ne sera jamais, jamais très élevé. Le jeu est assez avare en argent parce qu'il va vraiment vous pousser à choisir une stratégie et à faire avec une économie financière importante. Vous voyez ici, je ne peux pas pour rien faire. Alors mon fusil est chargé, par contre je n'ai absolument pas regardé, donc le jeu est en pause, le jeu est posé comme on dit là-bas, je n'avais absolument pas pris le temps de regarder la carte tactique de jour en posant mes pièges puisque le jeu m'a pas vraiment laissé l'occasion, je n'ai même pas pu dézoomer, donc j'ai complètement oublié d'où venaient les ennemis, dont la première vague, et on voit que la première vague elle vient directement à ma gauche. Il y a 4 loups, il y a 2 pièges qui sont prévus, donc on va aller voir ça de plus près. Voilà, à ma gauche. Alors petite difficulté supplémentaire, la minimap tourne. Ça c'est particulièrement vicieux. On va les laisser gentiment arriver. Hein. Voilà. Voilà, je vais les intimider. Ceci dit, même un loup intimidé à proximité est dangereux, donc je m'éloigne. J'ai économisé de l'énergie pour mettre un coup spécial. Voilà, je gagne un petit peu d'argent à chaque ennemi abattu. Et je vais terminer proprement ceci. Voilà, je l'ai... Ah mince, je voulais pas le tuer, je voulais prendre le temps de recharger mon fusil. Non, mais c'est déjà le cas. Vous voyez qu'ils ont évité un des pièges. Ils ont évité un des pièges, ce qui est pas mal. Mais qui peut donc éventuellement encore me servir. La détection. Vos ennemis vous voient et vous entendent. Si un ennemi est trop près de vous, il vous voit et vous attaque. Le cercle autour du héros sur la mini-carte représente le bruit que vous faites. Quand vous vous déplacez, vous faites plus de bruit. Un ennemi vous entend lorsque son point sur la mini-carte se trouve à l'intérieur du cercle. Certaines actions, comme par exemple tirer du fusil ou crier, émettent beaucoup de bruit. Lorsqu'un ennemi vous entend, un marqueur apparaît à vos pieds. Ce marqueur indique le dernier endroit où vous avez été entendu. Un ennemi vous ayant entendu vous traquera en se déplaçant vers ce marqueur. S'il ne vous voit pas et ne vous entend pas, l'ennemi s'en ira après quelque temps et le marqueur disparaîtra. Le cercle en pointillé sur la mini-carte représente la portée de votre cri d'intimidation. Servez-vous du cri pour leurrer les bêtes sous vos pièges. Vous voyez, on est encore dans le tutoriel et il y a déjà une richesse de gameplay qui commence à montrer, à pointer le bout de son nez, hein, vraiment. Donc, voilà, là j'ai été détecté, donc ils vont venir se pointer sous le filet. Ils devraient pas me détecter parce que vous voyez sur la minimap que je suis loin du filet. J'attends qu'ils arrivent en dessous. Et voilà, c'est fait. Alors, est-ce que ça les a tués? Oui, ça les a tués parfaitement. Alors. Il a raison, entre deux vagues, on n'oublie pas de recharger son fusil.
Ça veut dire aussi, ici, vous voyez, je suis cool. Après la vague, je me permets de me déplacer gentiment d'un point à un autre. Il ne faut pas oublier qu'après coup, les vagues vont se déclencher de manière successive. Et parfois, et même certainement, vous devrez prévoir lors de la phase tactique que vous allez finir, normalement, vous allez arriver au bout de la vague numéro 1 et vous serez à tel endroit de la carte. Et que pour le début de la vague numéro 2, vous devez être à tel autre endroit. Et donc, il va falloir appliquer des stratégies qui vous permettent de gérer les ennemis tout en prévoyant à quel endroit vous devez être situé à tel moment du challenge, enfin de la partie en cours. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Merde, j'ai crié trop vite. J'ai crié trop vite, il m'a pas entendu. Par où il va venir? Bon, vous renvoyez dans les enfers. Pom 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 pom. Voilà, là il s'est pris le piège à loup, voyez. Donc il a perdu quelques points de vie, pas beaucoup. Et là il arrive en dessous du piège et il est zigouillé sans même qu'on ait dû combattre, puisque lui est évidemment beaucoup plus dangereux au corps à corps. Surtout qu'il excite les autres loups en plus, je pense. Voilà, alors, récompense, des points d'expérience pour les techniques qu'on a employées, donc ça c'est bon à savoir, hein. Il faut pas y aller à la hache uniquement, il faut aussi... faire preuve d'un peu de technique pour gagner des points supplémentaires. Succès ou échec, là il n'y a pas photo. De l'argent récolté en fonction des pots de bêtes qu'on récolte. L'état du bâtiment qui, je rappelle, s'il est détruit, conduit irrémédiablement au game over. Vous voyez qu'au début il n'y a qu'un bâtiment à défendre, après il y en aura beaucoup plus, 2, 3, 4, 5, ce qui va évidemment compliquer le jeu. Donc une somme d'expérience, une somme d'argent, un niveau actuel, donc je suis actuellement au niveau 2, la jauge d'expérience pour arriver au niveau suivant, et encore une fois, le total d'argent que j'ai actuellement à ma possession. Voilà, nouveau monstre, le grand vieux loup. Comme chacun sait, les loups forment une société hautement hiérarchisée dirigée par des mâles alpha. Seuls les plus gros et les plus aguerris de ces mâles réussissent à atteindre l'âge vénérable de 8 ans, à partir duquel ils sont appelés grands vieux loups. Ils se déplacent deux fois plus rapidement qu'un grand loup et sont sensibles aux pièges à loups, aux filets suspendus et aux champs de pieux. Quand vous combattez près d'une torche, vous majorez de 2 points votre facteur d'intimidation. Vous voyez le genre de détails qu'il faut retenir. Rancœur et damnation. On finira sur ce chapitre-là. Les points d'action. À chaque fois que vous placez un piège, vous utilisez des points d'action. Le nombre de points d'action nécessaires pour poser un piège est indiqué dans le menu contextuel lorsqu'on laisse le curseur vis-à-vis un piège. Certains pièges coûtent également de l'argent. Pour supprimer un piège, appuyez sur l'outil de suppression de piège. Sélectionnez ensuite le piège à supprimer. Pour supprimer tous les pièges placés, appuyez sur le bouton de suppression de tous les pièges, puis confirmez. Lorsque vous effacez un piège placé la même journée, vous reprenez vos points d'action ainsi que l'argent dépensé. Les pièges posés, à l'exception de ceux qui ont coûté de l'argent, disparaîtront automatiquement à la fin d'une nuit. Voyez, encore une notion intéressante, certains pièges, s'ils ne sont pas utilisés pour une raison prévue ou autre, vont rester alors que d'autres disparaissent. Ça veut dire qu'il est éventuellement possible, mais là ça devient compliqué, de prévoir la pose de pièges pour les niveaux suivants. Mais je vous l'ai dit, ça devient déjà plus complexe. Alors on obtient un nouveau piège. Le feu de joie. Pour allumer un feu de joie, appuyez sur E à proximité. Vous profitez d'un bonus d'intimidation considérable lorsque vous vous trouvez près d'un feu de joie allumé.
Si vous vous éloignez trop du feu, vous perdrez votre bonus. Un indicateur vous montre la durée du feu de joie. Les bûcherons de la Wood Company ont ouvert de nouveaux sentiers au début de chaque jour. De nouveaux sentiers apparaissent. Assurez-vous d'en tenir compte quand vous placez vos pièges. Et oui, quand le jeu va se compliquer très rapidement. Si vous aimeriez un petit coup de pouce pour vous aider à planifier votre stratégie, cliquez sur l'option Indice stratégique du menu Pause. Alors là, évidemment, c'est un choix de difficulté que vous faites en votre âme et conscience. Voilà. Nous avons enfin accès à la... S'il veut bien. Voilà. Merci. Ou pas encore, s'il vous plaît. Non. Retournez à la partie, c'est très bien. Donc, vague 1. Deux ennemis placés en haut. Vous voyez, des grands loups. Donc, ils ont 10 points de vie. Qui ont 10 points de vie, qui sont sensibles aux pièges à loups, aux filets suspendus et aux champs de pieux. Et cette vague d'ennemis se dirige vers le poulailler que voici. À savoir, en fait, la... Non, que voilà, il est là, le poulailler. C'est la grange, en fait. Le vieux bâtiment qui sert principalement d'atelier et de travail permettant aux deux frères de confectionner leurs pièges. On y élève aussi quelques moutons. Donne un bonus de 75 points d'action. Et en bas, par contre, on a un loup-garou. Qui lui a 30 points de vie, qui est, on l'a vu, très résistant à toutes les armes personnelles, sauf celles qui sont éventuellement bénies, mais on n'a pas encore l'occasion de bénir nos armes, enfin de faire bénir nos armes. Il est plutôt sensible aux filets suspendus, aux champs de pieux et aux croix de chemin. Alors la croix de chemin, on l'a pas encore, malheureusement. Et alors, lui, il va à la maison. Donc déjà, première vague, eux, ils vont là, et eux et lui, il va vers la maison. Donc vous voyez, c'est déjà deux endroits opposés quasiment sur la carte. Carte qui va encore s'agrandir, vous l'aurez compris, par la suite. Et on a après ça une seconde vague composée de grands vieux loups. Donc ils ont quand même 30 points de vie, autant que les loups-garous. Ils courent deux fois plus vite qu'un grand loup normal. Et nous avons quatre grands loups qui, eux, ont 10 points de vie seulement. Et donc seront certainement plus simples à gérer. Donc, vague 1. Commençons par ceci. Ce sont des simples grands loups. On pourrait imaginer qu'on place des pièges qui permettront de les tuer de manière automatique. Et on pourrait imaginer que j'aille m'occuper surtout du loup-garou qui va être un plus grand danger. Mais attention, vous allez avoir de plus en plus de vagues et vous devez placer tous vos pièges pour toutes les vagues avant de déclencher la partie, avant de déclencher l'action. Ça veut dire que, imaginons, je place des pièges ici, voilà, en bas de la carte, pour tuer... des ennemis de la seconde vague, eh bien malheureusement ces pièges pourraient être déclenchés, vont même être déclenchés certainement par les ennemis de la vague précédente qui vont marcher dessus. Donc il faut prévoir quand vous placez vos pièges que non seulement ils soient efficaces pour la vague en cours, mais surtout qu'ils ne soient pas annulés par une vague précédente, alors que vous en avez besoin pour une vague ultérieure. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé d'expliquer. Donc, voyons voir. On va simplement... Le feu de joie, ça coûte quelque chose en argent, donc ça coûte rien. Ça demande juste du temps. Donc ce que je vais faire... Comme dans la première vague, théoriquement, il n'y a personne qui va arriver jusqu'à la maison. Par contre, que dans la deuxième vague, ils visent tous, les salopards, ils visent tous la maison. Donc je vais me placer un feu de joie qui va me coûter absolument rien pour pouvoir attirer les ennemis et les tenir en même temps à distance de moi. Donc je vais le mettre, ici, le feu de joie. Voilà, un feu de joie. Ça, c'est pour la vague 2. Qui ne me coûtera donc pas d'argent. Par contre, la vague 1, ça c'est gratuit, c'est pas mal. Mais je préfère, laisser le,
Je préfère laisser les pièges se charger des ennemis simples et m'occuper moi-même du loup-garou qui sera beaucoup plus vite à la maison, en fait. Hein. Donc ici, on va mettre un premier piège à loup et un... C'est le bout de la flèche. Un deuxième. Alors là, je suis pas sûr qu'il soit bien placé. Donc, on va recommencer. On peut zoomer. Hein. Voilà. On peut zoomer. On va mettre... Vous voyez, quand on zoome, on voit que c'est pas le bout de la flèche. Il y a vraiment un petit dessin sur la carte. Voilà. Là, on sait qu'il est vraiment bien placé. Quant au loup-garou principal, qui lui se rend vers le domicile, il est sensible au filet suspendu, au champ de pieux et aux croix de chemin. On n'a ni champ de pieux ni croix de chemin, donc vous l'aurez compris, on va l'attendre avec tout simplement un filet suspendu qu'on va placer, ma foi, ici, hein, comme ça on va pas trop loin. Bim ! Et voilà, ça devrait être bon. Parfait. Je ne peux toujours pas couper du bois pour récupérer de l'argent, donc je vais déclencher... Je vais déclencher ça et voir ce que ça donne. Voilà, mon inventaire, mes points de vie, mon endurance, mon niveau d'intimidation actuellement de 20. Alors. Ça, c'est mon inventaire, c'est ce que je peux prendre éventuellement avec. Vous voyez qu'ici, à ma disponibilité, j'ai de... Ouais, donc il ne veut pas me laisser vous montrer ce que je veux, donc on va l'écouter. J'ai des munitions. Des balles normales, des balles bénites et des balles d'argent. J'ai une vieille hache à pain. Alors, pain P-I-N, hein, pas P-A-I-N, évidemment. Donc, pour couper de bons vieux sapins. Avec des caractéristiques qui lui sont propres. Vous voyez qu'elle n'est pas terrible. Hein. Elle a une portée assez importante. Par contre, elle n'a aucun bonus. Elle ne me rend pas très agile. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts. De même que pour mon mousquet Brown Bess qui fait peu de dégâts, qui a une portée misérable, qui a un temps de recharge correct et par contre qui est relativement discret, qui s'entend pas trop loin, voyez. Hop. Et alors ici nous avons l'écran assez joli aussi, assez bien fait, hein. Vraiment l'aspect graphique me plaît bien. L'écran tout simplement, on va venir dépenser nos points d'expérience pour obtenir de nouvelles capacités. Vous voyez que c'est pas les capacités qui manquent. Encore une fois, une richesse évidente du jeu, d'autant plus que le jeu va vous forcer véritablement à choisir, parce que vous ne pourrez pas prendre toutes les capacités disponibles. Vous voyez qu'il y a une ligne rouge qui me limite, c'est mon niveau actuellement, je suis niveau 2. Je ne peux évidemment choisir une caractéristique, enfin une aptitude, que parmi celles qui sont sous la barre rouge. Mon niveau va monter, la barre rouge va monter avec, et petit à petit, j'aurai accès à de plus en plus de capacités différentes. Alors ici, on me propose d'augmenter mon niveau de rage, tout simplement. Donc, permet d'accumuler jusqu'à 2 points de rage et d'exécuter une nouvelle attaque enragée causant des dommages additionnels. Donc ça, c'est pour taper plus fort à la hache. Tir, augmente la vitesse de recharge du fusil de 20%. Avec le bouton droit de la souris, augmente aussi de 33% la précision de la visée automatique. Donc, ou on améliore la hache, ou on améliore le fusil, parce qu'ici, je n'ai qu'un point à dépenser. Soif de sang. Après avoir tué un ennemi en combat rapproché, vos points de vie remontent automatiquement de 2%. Ça, c'est pour les fans de corps à corps. Piégeage. C'est mignon. Piégeage niveau 1. Vos pièges à loups retiennent les bêtes, y compris les loups-garous et Maïkan qu'on n'a pas encore vu pour l'instant, pendant 10 secondes. Alors ça peut être très intéressant, hein. Forcément un piège qui retient l'ennemi, c'est du temps gagné avant qu'il arrive à un bâtiment et qu'il se mette à l'attaquer. Mais attention, si vous retenez un ennemi et que le piège ne le tue pas, il va être retardé de 10 secondes, et si vous aviez prévu des pièges en chaîne, vous risquez de d'étendre la file d'ennemis, puisqu'il y en a qui restent coincés derrière, qui vont remettre du temps à repartir à l'attaque, et donc vous risquez de faire foirer toute votre technique. C'est donc quitte ou double, même si c'est relativement intéressant comme technique. Et enfin, le feu de joie niveau 1.
qui permettent de rester allumé 20 secondes supplémentaires pour atteindre une minute. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, qu'actuellement, mon feu de joie ne dure que 40 secondes. Alors, je vais prendre des pièges qui augmentent la... Enfin, qui piègent les ennemis pendant 10 secondes. Voilà, je confirme. Et là-dessus, normalement, je peux revenir en arrière. J'attendais que quelque chose se passe. Je vais débuter la nuit. Alors ça c'est de l'eau de vie, ça rend des PV. Je vais en prendre une bouteille. Après vous aurez accès à Valoulou, le fameux village. Vous pourrez aller voir différentes personnes pour obtenir différents items. Ils sont coincés dans une cabane à l'est du village. Maintenant, vous devez me signer ce document. De quoi parlez-vous? En signant ceci, vous me confiez la garde des âmes du village. La nuit venue, elles iront posséder les bêtes de la forêt pour les transformer en loups-garous, qui exécuteront tous nos ordres. Il n'en est pas question. Pas très courageux le curé. Hein. J'ai signé sous la menace. Je ne consentirai jamais à vos bassesses. Tais-toi, braillard, et pense au plaisir que tu auras lorsque nos loups-garous te ramèneront la femme que tu désires. De plus, que dirais-tu d'être nommé cardinal à Rome? Rome? Vous avez dit Rome? Ce serait mon plus grand rêve. Et voilà. Alors évidemment, depuis, j'ai complètement oublié la tactique que j'ai mis en place. Vous voyez que la carte pivote quand vous faites tourner la caméra. Donc ça rend les choses particulièrement compliquées. Je vais laisser les pièges à loups s'occuper des petites bébêtes. Et je vais gentiment attendre le loup-garou surtout. Voilà, un ennemi. Le loup-garou arrive, hein, on le voit sur la minimap. Il arrive en dessous du filet. Bim, ça ne l'a pas suffi. Et vous voyez qu'il est très peu sensible. Hein. Ça n'a pas été évident. Et là, j'attends simplement l'arrivée de l'ennemi, de la vague 2, qui vont venir attaquer la maison. Mais grâce à mon feu de joie, je devrais pouvoir les occuper. Alors, où elle est? Voilà. Voilà. Il faut que je profite évidemment de mon feu de joie. Vous pensez bien que je vais pas les laisser approcher trop. Merde, je tirais à côté. C'était pas vraiment prévu. Alors, j'essaye de rapidement me débarrasser d'un ennemi. Faut pas les laisser s'approcher. Merde, le feu est éteint. Je vais pas avoir le temps de recharger mon fusil, probablement. Non. Ouais. Là, ça devient problématique. Alors, je peux pas crier pour les intimider parce que mon cri n'est pas encore rechargé. Ça prend plus de temps. Alors, évidemment, vous voyez que... Ils en ont après moi. Hop là. On peut faire des roulades hein, aussi, je rappelle, mais ça gaspille de l'endurance. Voilà. Une tarte dans la tronche. Courir réclame de l'endurance. Attaquer réclame de l'endurance. Rouler réclame de l'endurance. Vous voyez que le cri met vraiment beaucoup de temps à revenir. Donc, le tutoriel est assez sympa avec vous, mais après, ça se complique. Alors, les loups qui ont une marque au-dessus de la tête, je sais plus si vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ce sont les loups qui vont vous attaquer en premier, normalement. Hein. C'est une approximation. Alors, est-ce que j'ai récupéré que la moitié de mon cri seulement, donc je suis pas prêt de pouvoir tirer. Voilà. Et toi? Merde, j'ai gaspillé mon coup spécial. Mais j'arrive au bout de la deuxième vague.
Ça fait longtemps que j'ai plus joué au jeu, hein, donc je suis encore un petit peu rouillé. Et voilà, je vais donc vous laisser là-dessus. Vous avez vu le principe de base du jeu, et là, c'est vraiment la base, c'est la toute première mission du jeu. Donc imaginez la richesse. Vous avez vu la quantité de points, la quantité de pièges qui vont venir se placer dans l'écran tactique. Vous allez pouvoir visiter un village et puis un second pour faire du shopping et obtenir des nouveaux types de munitions, des nouvelles haches, des nouveaux fusils. Donc vraiment d'autres points de gameplay qui vont venir s'ajouter aussi, comme la détection de votre odeur, des piliers avec des câbles tendus, des cordes tendues, des death rides hein, en anglais, qui vont vous permettre en fait de quasiment vous téléporter d'un endroit à l'autre de la carte en fait, en vous laissant glisser sur une corde au-dessus des arbres pour rejoindre plus rapidement des points de la carte. Donc vraiment un jeu très riche, avec une ambiance particulière, très sympa, un doublage qui fait vraiment plaisir aux oreilles. Donc je vous invite à tester ce jeu qui est un peu plus d'un an maintenant, qui subit régulièrement des promos sur Steam, et donc je vous invite vraiment à vous le procurer et à y jouer si ce type de jeu vous parle. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres aventures ou une reprise de ma pause, je ne sais pas encore. À bientôt, ciao.